Quand nous serons oubliés, notre Dieu, le soleil et la neige, que la perfection soit un défaut inconsistant, nous nous endormirons dans une arche accompagnée de nos femmes pour y nourrir les girafes, les singes, les éléphants. L'apocalypse passera, faisant agiter des déluges comme des attendards. Le Wi-Fi disparaîtra, les tablettes seront fausses, voire bidons. Mais une âme égarée fera du stop, car elle sera en retard. Pendant que les ours, les loups et les singes nous nourriront. Les vagues se déchaîneront sur leurs cuisses recouvertes de savon à linge. Des mythes bibliques s'envoleront vers l'expression du silence. Car il faut bien avouer que lorsque nous étions des sauvages, des centaures, des sirènes, et d'autres créatures survivantes. On rêvait des maisons où vous êtes bouffés pètes avec des congèles remplis de boulettes et de pelingas, une lanterne à la poupe et une autre laissée aux oubliettes afin que la troisième s'agite chez le capitaine où toute vie s'éteint.